Ne te bats pas, s'il te plaît, pour marquer les mémoires des hommes. L'homme est ingrat. Je parle de l'être humain. L'être humain est ingrat. Tu peux couper ta main pour quelqu'un, cette personne peut te trahir. Des hommes à qui on fait beaucoup plus de bien, ce sont ces hommes qui trahissent. Les hommes qu'on soigne, ce sont ces hommes-là qui vous trahissent. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je dis à quelqu'un, ne marque pas le but dans les cœurs des hommes. Marque le but dans le cœur de Dieu. Organise-toi pour plaire à Dieu à chaque instant. Pose-toi la question, est-ce que cet acte a plu à Dieu? Le lundi au dimanche, demande-toi, est-ce que j'ai fait quelque chose pour marquer le cœur de Dieu? Je dois faire quelque chose. Va dans ta maison, prends le riz, va voir la veuve, va voir l'orphelin. Vas-y, marque le cœur de Dieu. Fais quelque chose qui marque le cœur. Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu va se souvenir de ton nom. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu n'oubliera pas et Dieu va te placer exactement là où tu dois être.